Yes. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces messieurs, puis ces dames? Oh, ma chérie, tu me l'as vu. Tu vois quelqu'un, Mimi? Non. Non? Eh bien, c'est bien. C'est bien, voilà. Il y avait 300 Autrichiens. C'était des boches, quoi, c'était des boches. Mais, vous savez, ils nous... On ne pouvait pas traverser, je ne pouvais pas traverser. Il fallait que j'aille leur dire, je traverse le chemin. Hein? Je traverse le chemin. Ils regardaient sa montre et m'ont dit, oh ben non, vous ne pouvez pas maintenant parce que, vous voyez, il est que 5 heures, il est 5 heures moins 5. Mais il fallait que ce soit 5 heures. Oh là là. Oh ben, ils nous en ont fait, les Allemands, hein. Mais on a marché à la baguette. Ah, jamais on n'a rien dit, puis jamais. Puis ils venaient dans les jardins, ils ramassaient tout ce qu'ils voulaient. Et puis il y en a un qui venait ici, mais il était très gentil, celui-là. Il est venu faire ses adieux, il nous a dit, je vais en Ukraine, mais je veux mourir. Les Russes, qui, il a dit, ils vont faire mon affaire. Enfin, moi, j'ai dit, ma foi, moi, ça ne me fait de rien. Moi, du moment que c'est pas à moi. Mais, vous savez... Il était très, très gentil, en a, de ces Allemands. Puis d'autres, c'était des vrais salauds. C'était des vrais salauds. Ils ne nous auraient pas laissé aller hein, deux pas de l'autre côté, là. Il fallait bien obéir. Hein. Oh ben, vous savez, quand on les... Puis ils nous ont tué nos deux chiens. On avait deux chiens, ils nous ont tué nos deux chiens. Ils m'ont tué mon chat. J'avais rien qu'un chat, à ce moment-là. Tous les chats périssaient. Ils m'ont tué mon chat. Ils m'ont tué mon chat, puis j'ai... Puis les deux chiens, ils m'ont tué mes deux chiens. Alors, il y avait un beau griffon, s'il m'en suis fait peine. Puis un que j'avais eu, vous connaissez bien chez Bobby, là-bas, le long du pont de la Roche. Hein? C'était eux qui nous avaient amené ce chien. C'était un chien, moitié garde, puis moitié chasseur, quoi. Mon Dieu. Hein? On veut rien, vous? Pendant il ne faut pas y penser. Hein? On sait bien depuis qu'un mois existe, on n'est plus sûr de nous. Hein? Je m'en vais aller m'asseoir à côté du fourneau. Je suis fatiguée. Portez-vous bien, puis faites bon voyage, hein? C'est tout ce que vous pouvez faire. D'un métier, non. Ça va bien. C'est un métier comme ça, quoi. Hein? C'est un métier de chien, quoi, tu vas appeler. Un mètre 50. Oh, là, je sais pas, je vais peut-être pas un mètre 50, un mètre 30. Ça dépend où je vais trouver de cette feuille. Là, elle va sur 79 ans. Écoutez bien ce que je vous raconte. Une femme très honnête. Et puis demain, je l'enterre. Je l'aimais bien. C'était des braves gens. C'est des vieilles connaissances, quoi. Des vieilles connaissances du pays. Et puis, ma foi, ce coup-ci, écoutez bien, ça me fait bien mal au cœur de l'employer. De l'enterrer. Vous m'avez bien compris. Moi, j'aurais encore voulu l'avoir, vivre encore 10 ans, 20 ans. Voilà. Et est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas de ma faute. Il faut passer par le résultat. Le résultat que je vous dis. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est moi. Le vent qui dominera aujourd'hui, c'est le vent qui dominera toute l'année. Donc, ça annonce plutôt une année sèche, quoi.
une année sèche, elle est souvent bonne. Meilleure qu'une année trop de pluie, une fois. Mais il faut pas que ce soit trop sec quand même. Pour la végétation, il faut quand même. C'est la pluie, quoi. C'était deux, des fois trois. Je les ai vus quatre mois pour creuser une fosse. Puis moi, maintenant, ma foi, vous savez, c'est le progrès d'aujourd'hui. Maintenant, c'est le travail de vitesse, c'est la course à la mort. Hein, que c'est vrai. Si, c'est le travail de vitesse. Mais faut le faire, le boulot. C'est dur. Au nom du Père. C'est sûr que c'est dur. C'est bien triste. Moi, j'ai pas peur de la mort. Elle peut venir me chercher aujourd'hui ou bien cette nuit. Je n'ai rien à faire de ça. Je m'en vais demain, je suis parti. Je sais que je suis parti et c'est fini. Avec les tables de thé. Donnez-nous aujourd'hui notre pain à chaque jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, soit-il. Priez pour nous, pour pas pécher, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ah, j'ai bien envie de mettre la soupe au sous. Rien à faire, il faut. Quand même pour manger un coup de gibet. Ah, oh, il n'y en a pas tellement, hein. Il n'est pas si gros que ça. Ah, là, il faut que tu ailles plus bas. Là. Ça y est. Ah, je suis perdu. Là, tu as cassé encore ce truc-là? Oh, je casse tout. Si tu veux, je suis trop fort. Tiens, voilà les poignées, si tu veux dire. Là. Les poignées du cercueil? Mais le jour de cette terre, vous ne pouvez pas savoir. Oh, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi lourd que cette terre. Oh, c'est la lourde. Attends, c'est profond, là. Ah, ben, là, je peux pas aller plus bas, oui, hein. Oui, avec toi. Tu veux que j'aille? Je suis sur les deux corps. Tiens, on va le casser un peu, tu vois. Oh, que ça peut faire. Laisse-le. C'est voir où j'en souviens. Ça te déracine. Chanter en travaillant, voir un air de temps en temps. Comme disait la santé, c'est des fonds. Oh, mais c'est père, vraiment. Ce moral. Ce moral qu'il faut là-dedans. Hein, vous? Faut un moral d'acier. C'est tout là-dedans, nous, s'il n'était pas réservé. Tiens, attends, je vais faire voir autre chose. Tu vas voir, regarde. Je ne crois pas. Tiens, garde des bouts de cercueil. Oh, je ne suis pas la douille. Si tu as besoin d'étoffes, hein, la mère, si tu veux des fois des étoffes. Pour te faire un sac col. C'est-à-dire que... Mais alors, elle en avait, elle a tout croqué. La Jacqueline, elle dépensait, je sais pas,
du 1000 francs par jour. Oh, hein? Qu'est-ce que tu dis, Jean? Par jour, je vois bien, la petite... au tiercé un dimanche. J'ai vu jouer au tiercé, elle dépensait. Elle avait trouvé un homme du midi. Eh bien, cet homme, 250 000 francs qu'il jouait. Il jouait tout le tiercé d'un coup. Oui. Puis j'étais bien obligé de sortir. Après, elle l'a fait mettre en prison, parce que je pense qu'il y en a croqué. Et puis... C'était une jeune femme. Une beauté de femme. Je vous dis, vous l'auriez senti son parfum depuis très loin. Puis elle chien avait... pareil, il sentait aussi fort. Elle avait un chien, elle en avait un autre Cologne. Oh, mais elle avait du poignon, cette femme, ses bijoux. Oh. Un coup, elle m'a donné 10 000 francs, puis une grande boîte de chocolat, comme ça. Un coup qu'elle était venue. Oh, c'est un immense caveau, c'est un... Vous savez ce que c'est? On appelle ça... C'est vous, t'es... Ovolite. Hein? Ah, oui. Ovolite, ça s'appelle. Le fer à cheval. Oui. Le fer à cheval, j'ai coulé dedans, moi. Puis, par bonheur que j'avais dit au type qui était avec moi, de m'attacher sous les bras, j'ai dit, oh, mais voilà parti. Vous comprenez, c'était du bois vermoulu. J'ai coulé en bas. Puis ils disent, où c'est que tu es? J'ai dit, vous l'avez vu? Vous auriez vu ce cercueil. Cette valise. Valait du poignon, hein. Alors il y en a un qui était dans un cercueil zingué. Il était jaune. Comme il était jaune. Je n'avais jamais vu ça. Il était, il avait si grande... Il avait des bottes de cuir, oui. Il avait encore son alliance, mais alors dès qu'ils ont touché, tout s'est défait, voyez. Oui, j'ai vu ça. Je suis allée voir. Quand ils ont emmené les soldats, ils en ont emmené un camion qu'il y avait ici. Ben, quand j'ai fait le relevage de Monsieur Lombre, c'était là. Des hommes qui viennent exprès, des dureaux aussi, voyez, qui ramassent tout, les os, ils mettent ça dans des toiles, puis ils ont les cercueils. Ils mettent ça dedans, allez, en partie avec le nom. Moi, j'ai vu ça. C'est un qui était dans un cercueil zingué. Alors, vous voulez comprendre ce que je vous dis, zingué? C'est parce que... C'est-à-dire, vous avez trois... Il avait... Oui, voilà. Vous avez le cercueil en chaîne. Voilà. Vous avez le zinc. Et en plus de ça, vous avez la feuille de plomb. Alors, il s'était conservé davantage que les autres parce que l'air n'était pas entré. Voilà. Il y avait une sœur de l'hôpital qui était venue voir aussi. Quand il les avait retirés, elle m'a dit, venez, on va les voir. Oh, mais comme il était jaune, cet homme, c'était un gradé. C'est un homme qui était bien placé, quoi. Alors, il... Je raconterai bien des autres choses, mais je parle de ça ne doit pas exister que je le dis. Oui. Alors, il est très fort, il était très fort, cet homme-là. Moi, je l'ai vu. S'il avait voulu se rendre, il n'aurait pas été tué. Je l'ai vu mourir. Donc, c'était la résistance, vous savez ce que c'était, la résistance. Alors, s'il était capitaine d'aviation, s'il avait levé les bras en l'air il ne voulait pas être tué. Il n'a pas voulu. Voilà, il n'a pas voulu se rendre. Alors c'était un gros bonhomme, vous voyez. 110 kilos. Moi je l'ai vu mourir. Oui, Marie se trouvait là. C'était dans le haut. Oui, moi. Non, bah, je pense que je l'ai vu mourir. 110 kilos. Oui. Alors il y en a un qui s'est emparé des bottes. Hein? Il y en a un qui s'est emparé des bottes. Ben oui, mais ça ne se dit pas, il ne faut pas le dire. Oh, Dieu, mais c'est des Allemands, hein. Ils en ont fait bien d'autres dans les camps. Celui qui ne vient pas couvrir le monde. Celui qui s'est servi des bottes, c'est celui qui l'a foutu en bas. Mais il a bien fait. Voilà, c'est pas lui. Respect. Puis tu veux que je dise le nom, qu'est-ce que j'en ai à faire? Oh, ta mère. Tu perds les pédales, c'est pas possible. T'es comme moi, quoi. Veux-tu que tous les deux, ou la plus blonde des blondes, veux-tu que nous partions
loin des jaloux, loin du monde, là-bas, sous les pampas, près de la forêt profonde, veux-tu vivre tous deux notre roman merveilleux, et vois-tu déjà au fond du ciel sans voir briller l'étoile qui t'appelle là-bas. Voilà les voix poitrinaires. Voilà le printemps, voilà les choux qu'on a rentrés l'automne dernier, tu t'en souviens? On les a attachés pour qu'ils se conservent. Mais vois si c'est merveilleux ça. Voilà ce qu'annonce le printemps, voilà ce qu'est la nature. Les richesses de la nature. Ce chou n'est pas planté dans la terre et il pousse. Regarde, le voilà qui pousse, c'est la nature, c'est merveilleux. Ce chou-là qui pousse, nous allons le prendre. Celui-ci aussi. Celui-là, nous allons le porter dans la terre, dans les jardins dehors. Et ce chou va reprendre son élan tout à nouveau. Et cet automne, on va le cueillir, le mettre sécher dans notre grenier et il va donner la graine pour l'an prochain. Ça, c'est des mystères. Ça, c'est merveilleux. C'est la nature. Arrêtez la musique pour nous, que nous importe, continuons le tango. Assez de ces folies, assez de cette vie. Adorieux. La soupe pour les gens qui cuisent aussi. Tout va bien. J'ai eu un enterrement. Et alors, si je pleure, les gens veulent dire, on va le baptiser Vonia. Mais je peux pas pleurer. Vous comprenez, je peux pas pleurer. Il faut pas. Mobilisé en Charente, en 39, il a été prisonnier après son père. Il était tout seul et il a brûlé en 45. Il est rentré, le père mort, la maison brûlée. Bien sûr. Oh, il me dit toujours, mais tu te casses la tête, mais faut pas te casser la tête. Ça a été très, très difficile parce que ni moi, ni lui, nous avions de l'argent. On n'avait rien du tout, ni un ni l'autre. Que notre petit bagage. Tu veux aller. Quand il est rentré de son service militaire, il a fallu travailler bien dur. Et nous avions déjà une fille, après on en a eu une deuxième. Après on a eu deux garçons. Après on a eu encore deux filles. Donc qui fait 6 enfants. Quelque chose là. Le moment le plus difficile, c'est quand il est rentré du service militaire. Parce que nous n'avions pas d'argent pour nous acheter des meubles. Oh, même les femmes, oui, taratata. Arrêtez. J'ai été cocu, porté des cornes comme les yaks. Bon, ben, il aimait les femmes. S'il aimait les femmes, il m'a entendu hier soir, j'y ai dit. Il le sait bien. C'est un coquin. Il dit que c'est pas vrai, mais je sais que c'est vrai. Je sais.
Oh, ben maintenant, c'est fini tout ça, hein. On n'a plus l'âge de ces choses-là. Ah oui, on aimait les femmes. Ah oui, ah ben quand j'étais bonne, là, tu disais que quand j'allais laver la voiture, que le patron me pinçait, c'est moi qui lui avais dit. C'est moi qui l'avais fait rire, puis je lui disais, ah, attention, je vais le dire à la patronne. C'est des petites histoires. Oui, oui, c'est des petites histoires. Voilà. Pour venir rester ici. Ah ben alors j'ai pleuré. Je voulais pas y venir. Et c'était affreux comme... c'est déjà pas tant beau, mais enfin c'était affreux. C'était ça. Vous pouvez pas savoir. Oh, si c'était ça. Les murs étaient... c'était tout du plâtre, c'était blanc. Bien sûr, là, il y avait rien, puisque c'était pas ouvert. Puis après, il est venu le corbillard pour emmener les gens à leur dernière demeure. Puis après, il est venu l'ambulance. Puis après, tu as demandé pour faire j'ai une demandé pièce. Pour faire une pièce. Alors j'ai tout fait ça de mes mains, à moi-même. Oui, c'est lui qui a fait. L'entrée, là, c'était mais ils avaient planté des crosses comme ça, ceux qui étaient avant des clous de partout. Il y avait une vieille chaudière pour faire à manger au cochon. Et puis, nous, on a fait ce qu'on a pu. Moi, je ne voulais pas venir là. J'appréhendais, voyez. Quand le soir venait, si je montais dans une chambre ou si je m'en allais derrière, là, au grenier, j'avais peur. J'appréhendais, voyez. J'aimais pas. Ça me faisait un frisson. Et encore à l'heure actuelle, j'aimerais pas aller toute seule, tout au fond du cimetière. Non, j'ai peur. J'appréhende. Il me semble que je vois une ombre, que je vois. Et mon mari, non. Et quand on avait notre chien, j'allais avec, ça ne me faisait rien avec elle, mais pas toute seule. Il comprend moins, parce qu'il n'a pas peur, il ne comprend pas. Celui qui passe les barrières, écoutez, voir, celui qui passe les barrières, s'il pouvait racheter sa vie, je vous parle des gros riches, quoi, hein, pourrait racheter sa vie, ben, il donnerait des millions aux fossoyeurs. Pas des millions qu'il donnerait pour pas passer les grilles. Le portillon, oui, le portillon. Ça s'appelle le portillon, oui. Vous avez du pognon, qu'est-ce que vous voulez en faire de vos sous? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quand vous venez ici, vous passez vers moi, puis c'est tout, puis vous partez dans la dernière demeure, allez, roulez. C'est comme ça. Il faut être froid dans la vie. L'été, c'est très beau, c'est gai, mais l'hiver, c'est triste. Le soir. Et le soir, bien sûr. C'est monotone, hein, c'est toutes ces croix, ces monuments. Ça vous donne à réfléchir. Oui, qu'on va bientôt y aller. Il n'a pas peur. C'est pas le même genre. Oui. 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 Moi, je suis plus compréhensible, plus peureuse. Quand la retraite va venir, moi, j'aurais bien aimé aller concierge encore comme ça dans un établissement. Et puis un peu travailler le soir, le matin. Avoir un petit salaire qui tomberait à côté de notre retraite. Ou autrement, j'aimerais m'en aller dans une maison, dans une vieille maison, retirée de la ville, puis tenir beaucoup de petites bêtes. Des lapins, des poules. J'adore les bêtes. Je les adore, j'aime beaucoup les bêtes. Mais vous voyez, s'il faut en tuer une, je la tue. Par exemple, mon mari me dit, oh ben, on va manger un lapin. J'ai pas le temps de le tuer, tu veux bien le tuer? Oui, je suis d'accord. Je tue le lapin, mais
Et ça me fait quand même de la peine. Je le tue quand même. Parce que les bêtes sont destinées pour ça. Ah oui, mais c'est, moi j'ai un courage du tonnerre. C'est le moral. Le moral sauve l'homme. Voilà. Le guet pour ça. Oui, le guet. J'aurais adoré un paysan. J'aurais aimé marier un paysan. J'aurais aimé tenir une ferme. Je sais traire. Je n'ai pas peur des bêtes. Le voilà, il est tout rempli de sel. Tout bien. Pendant 10-15 jours, ce jambon va prendre le sel. Quand il sera bien salé, en 10-15 jours, il est purifié. Le sel vient enlever toutes ces matières mauvaises. Donc, il est propre. Outra-la-la-la-la. Donc, il est propre. Maintenant, on va le porter au tuer, dans le tuer de nos campagnes, dont la fumée va le sécher et le terminer. Après, ce jambon, il pourra même durer des années sans s'abîmer. Je pouvais traire, distribuer le lait. J'aimais beaucoup, mais je ne me suis pas rencontré qu'un paysan. C'est dommage. Voyez, je ne laisse pas traîner des ossements. Voyez, comprenez, je les ramasse, puis je les mets dans un ossuaire qui se trouve ici en bas, là. Alors ça, c'est tout à fait sérieux, cette histoire-là. Comme d'habitude, chose dite, chose faite. Puis je crois que je l'ai pas volé. Ah ben, vous avez vu, comme moi, hein. Puis j'ai pas fini. Attention, j'ai pas fini. Pour finir, ici, il faut mettre au propre. Ah ben, c'est un petit peu de soir encore. De 30 minutes de travail, quoi. Une demi-heure. Ah, oh, ma foi, écoutez. Le métier est dur. Vous avez vu ma femme, si c'est une travailleuse, hein? C'est des gens qui travaillent, ça, hein? Des indications, alors j'ai fait un ossuaire en dessous comme lui, alors vous voyez, j'ai mon frère, mes deux frères, ma mère, qui sont dedans, et à l'heure actuelle, il me reste encore 8 places.
Voilà. C'est donc l'ancêtre, M. Alcide Formentini, Aristide Formentini, qui m'a donné les conseils. Voilà. Bâtir ton caveau. Bâtir ma dernière demeure au pays éternel. Non, ça ne vaut rien. Et soit-on ce soir demain. J'en ai rien à faire, moi. Je me fous pas mal de la mort. Je les vois tous les jours. Que je veux ayez peur de la mort. La mort ne me fait pas peur. Comment voulez-vous que j'aie peur de la mort? Je viens de vous dire tout à l'heure, c'est l'état physique. Vous savez, n'importe quoi ne me fait pas peur. Non? Eh bien, mais il ne devrait pas boire trop de cerveau. En mangeant, ça va, mais entre les repas, c'est ça qui tue. Oh, non. Pourtant, dans le frigidaire, c'est plein de bouteilles d'eau, là. Il y a du vichy, il y a de l'épargne, enfin, il y a de tout. Jamais rien ne manque, là, hein, si vous voulez. Mais c'est ce pinard. Et où est-ce le moral qu'il faut avoir? C'est terrible, cette histoire-là. On est malade, hein. Moi, je préférerais boire de l'eau. Pas bon, là. Je ne pourrais pas boire comme ça du vin. Oh non, c'est affreux ça. C'est quand même dur tout seul là-dedans, alors tout l'ensemble. J'ai même une photo ici, je ne sais pas si ma femme pourrait la trouver. Tu pourrais pas la trouver, Madeleine. Ah ben, c'est l'état physique, quoi, qui met que j'avais un état physique formidable. Dorénavant, on ne tuera plus qu'un demi-bœuf par semaine et l'autre moitié la semaine d'après. Elle est contente d'être chérie par sa maman, par sa patronne. Elle nous donne son lait et sa chair. Son lait et sa chair. Oui, tout. Qu'elle est gentille, notre vache. Grâce au Seigneur, elle nous donne son lait. Nous donne son lait. Oh, qu'elle se laisse garder. Elle se lève, elle ne bouge pas. Elle se lève, chérie. Gardez, malgré que je la pousse les gens. Je vais faire du bouillon demain, ma poule. Vous avez un bon air, vous avez un bon air. Elle est reconnue saine. Voyez. Voilà sa belle médaille. Là, voilà. C'est tout. Un gros barbier. Oui. Alors, vous mangez des cacahuètes, comme la petite. On était plusieurs jeunes filles. Alors, on voit cet homme entrer. Il était tout frisé. Et puis, c'était un chanteur du tonnerre. Alors, il nous a offert chacun un café. Et puis, ma foi, voilà, comme ça a commencé. On est sortis ensemble. Et puis, ma foi, on s'est bien aimés. Et après, on s'est mariés. C'est, bien sûr, quoi, obligés. On était obligés. On avait fait une commande avant. Voilà le coquin. Puis le mariage est venu comment?
Jean Zola. Par la suite. Jean Zola partait au 60e d'infanterie. Oui, puis j'ai bien pleuré. Et puis, je suis restée à Besançon pendant qu'il faisait son service militaire à Besançon. Puis, bah, on a élevé notre famille, les gosses sont du grand, ils ont commencé d'un peu travailler, on a été un petit peu plus à l'aise. Comment tu m'as trouvée? Parce que je t'ai trouvée belle. Ça s'est passé chez Madame Rose Barbier. Ça s'est passé... Dans la rue de la Chaussée. Dans la rue de la Chaussée, puis c'est comme ça qu'on s'est épousé. Elle sortait de ces pays perdus là, des fermes, puis moi j'étais un maître danseur. Ah oui, alors, c'est bien. Alors, puis tout en dansant, vous comprenez comme ça se passe. À force de se resserrer, ma foi. Faut dire la vérité que je vous ai tout appris à danser, oui. La Marcel, la Marie-Louise, oui. La Madeleine, la Juliette, la Thérèse, la Denise. Eh bien, ma foi, c'est loin tout ça. C'est loin tout ça, oui, mais le maître danseur était là. Et un coup, bonjour un coup, alors c'était au buffet de la gare, alors c'était ceci. C'est quelle heure, ça? C'est déjà 6 heures? On m'appelle le Dibichon, toi qui t'es rusé comme une fouine. Alors j'avais fait le pari de danser la valse. Attention, c'est parti, non. Alors, par ça, non. Non, je ne vais pas. Garantie. C'est bien? C'est très bien. J'ai bien raison. Pourquoi? Pour ne pas avoir toute cette niche. On a mis trop de peine à élever tous ces gosses. Ah oui, exactement. Je ne sais pas, vous dites, j'ai déjà enterré. Jamais j'avais dit ça, le jour de Noël. Oui. C'est bien ça? Le jour de Noël, oui. Jour de Noël. Alors, voyez, le réflexe qu'il faut avoir quand j'ai enterré votre mari, quoi, oui. Ben, l'après-midi de Noël. Oui, l'après-midi de Noël. Ouais. C'est quelque chose, hein? Ah, c'est la première fois que je voyais ça dans 25. 20 ans, elle avait même passé 20 ans. Oui, je me rappelle que ça vous avait fait une grosse impression. Ah, très, très grosse, oui. Parce que je croyais qu'il restait quand même plus que... Oui. Ce que vous aviez trouvé. C'est ça, c'est juste. Mm. Oui. Et, cette dame a fait un cabot pour loger donc sa soeur, la maman, le père. Ma foi, la maman est là, mais le père est parti. Je vous ai dit, c'était une drôle d'après. Pour moi, c'était encore plus dur que vous. Ben oui, mais enfin, c'était pas de vos parents, ah, quoi. C'était pas la même chose. Oui, hein? c'était pas la même chose. Non, vous avez eu la grippe. J'aime autant que ma maman n'entende pas. Comment? J'aime autant que ma mère n'entende pas. Oh. Parce qu'elle elle croyait que c'est pareil, elle croyait comme moi qu'il restait beaucoup de choses. Et puis il restait rien du tout. Il restait ce qui devait rester. Ah, ben le jour où ils arriveront à brûler les gens, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors ça... Vous savez, c'est pas dur d'enterrer là. Vous pressez sur une manette, hop, c'est plus propre. Là, vous comprenez, il n'y a pas de microbe là. Oui. Là, il ne peut pas y avoir de microbe. Ça n'a pas d'odeur. Ben, bien sûr que non, cette dame. C'est des cendres. Si vous mettez une fleur. C'est la chose la plus propre qui existe. Ah, moi, oui. Oui, oui, oui. Oui. Moi, non. Toi, non. Trop grosse, ça fait de la graisse, tu brûles mieux. Non, 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 non,
Ah oui. Oui, ça c'est vu. Oui. Puis un paquet de Gaulois. Oh. Seulement c'est des choses tout à fait délicates qu'on n'ose pas dire. C'est des secrets de famille. Vous comprenez? Ça ne se dit pas. On n'a pas le droit de parler de ça. C'est parce que, premièrement, c'est la question d'orgueil pour la famille, ça ne se dit pas. Vous comprenez? Oui. Moi, je connais certaines personnes qui m'ont dit tu me feras ci, tu me feras ça, mais je le fais pas. Oui, il rentre là-dedans à quelle heure? À 3h moins le quart. Oui, 3h moins le quart, ils sortent à 3h. 3h30. Oui, 3h30. Bon. 3h30. Alors, on va repartir dans le parc des Princes cet après-midi. Dans la piste aux étoiles. Ah oui. Comme tu veux. Oh, j'ai déjà des mots de te mettre ça dans la tête. Est-ce que tu veux dire une fois pour tout la piste aux étoiles? Oui. Pas le cimetière, oui. La piste aux étoiles. Comme tu veux, tu choisis. Comme tu veux, tu choisis. Mais la piste aux étoiles, c'est bien plus beau. Tu fais du trapèze, tu descends dans des trous. Et tu remontes. On t'enlève. C'est parce qu'il paraît qu'il faut faire beaucoup de gymnastique, ils disent, pour pas venir gros. Alors mon mari, il est toujours comme ça. Comme ça. Oh, alors, j'ai pas. Pour avoir un gros ventre. Puis moi, je suis souvent baissée aussi, alors ça va. Pour avoir une gauche, j'ai quand même encore pas trop de bedaine. Oh, puis cet après-midi, je vais te la faire perdre, hein, la peine, la pioche. Oh, c'est bien, je suis pas gâtée. Ah oui, c'est comme ça. Et par les prendre en photo quand je... pas trop de terre dessus, pourvu que je sois logé dans mon petit quartier, là, ma dernière demeure.
mais chargez par 31. Puis vous ne mettrez pas de cailloux dessus. pas de cailloux, surtout pas de cailloux, hein, de la terre. Puis me descendre doucement. voilà, et je rigole. Ah, ben non. Là, là, la question, j'ai un grand respect sur les morts. Ça, alors, un respect. Et j'en ai, vous voyez, je suis presque orgueilleux de mon métier parce que je ne voudrais pas mettre des cailloux sur un cercueil. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas propre, premièrement. Puis ça ne serait pas être honnête. Vous comprenez? Celle-là, on va la poser là, tu vois. Ouais. Et ça s'arrête un peu et ça reprend. Il est à dire ceci, que le chômage ne se fera jamais dans ce métier-là. Oui. Ça ne peut pas. Surtout à la comment voudriez-vous que le chômage se fasse là? Mais l'injustice, c'est le bon Dieu qui achète les gens. C'est la seule justice, oui. C'est la mort. Comme je vais y aller, moi, je ne sais pas lequel c'est qui va m'enterrer, comme que comme, il y en aura un qui m'enterrera. Puis celui qui m'enterrera, ben de Dieu, il boira le champagne à ma santé. Que c'était noble, et aujourd'hui tout s'en va. La pauvre culture, les pauvres paysans abandonnent tout. Leur courage ne permet plus de suivre sa route. De tout ça, oh, que faut-il faire? Il faut prier, prions, pour tous ces malheurs, prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le règne arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Sainte Marie, Mère de Dieu, quand on voit ça,
On appelle votre secours. On implore votre secours. Ô Vierge Marie, nous bénissons. Que deviendra-t-on par la suite? Nos générations, que diront-elles de tous ces abandons, de toutes ces ruines? Que dira-t-on? Et là, on ne pourra rien, on ne pourra pas raccrocher tout ça, rétablir tout ça. Notre jeunesse n'a plus le courage de faire ce que nos ancêtres ont fait pour construire des fermes comme ça, pour travailler la terre, par la pluie, par le froid, nos pauvres bergers, avec de gros manteaux, côtoyaient ces montagnes pour garder leur bain. Aujourd'hui, on n'en voit plus, c'est fini. Aujourd'hui, les pâtures électriques ont tout couvert. On ne voit plus ce qu'on a vu autrefois. Quand il refait Napoléon, que son pousseau dans un courset ne voyait rien à vous, ma section. On implore votre secours. Quand on voit ces ruines, cette misère, que veut-on devenir avec le temps? Que veut-on devenir, hélas? Nos enfants, nos descendants, où coucheront-ils? Où iront-ils? Que deviendront-ils quand on voit des ruines pareilles? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Embrasse la plus belle et la plus jeune aussi. Et je lui dis, regarde, mon joli canari. Au bout de 3 mois, le ballon qui commence. Au bout, oh tra-la-la-la-la. Au bout de 6 mois, oh tra-la-la-la-la. Au bout de 6 mois, le ballon qui s'élève. Oh tra-la-la-la-la. Au bout de 9 mois, voilà le ballon qui éclate. Oh tra-la-la-la-la. Au bout de 12 mois, c'est le petit qui nous chante, oh tra-la-la-la-la. Rendons-moi, oh Dieu, le Saint-Esprit qui nous avait donné tous vos dons. Nous vous rendons-moi. Va le gris, à 3 pas. Nous serons à Paris, dans un fort bon logis. Arrivés à Paris, la table lui présente. Mangez, buvez la bête selon votre appétit. Avec 3 officiers, vous passerez la nuit. Au milieu du repas, la belle tombe morte. Sonnez, sonnez, trompette. On du régiment, voilà la belle qui est morte sans en avoir joui. L'enterrons-nous, c'était ma belle préférée.